La famille prioritaire export, technologies émergentes, en fait, regroupe toutes les technologies qui sont un peu les technologies de rupture, qui sont en train de, qui peuvent être en très grande partie impactées par le numérique, ou même créées par le numérique, et qui va impacter des industries bien au-delà des industries numériques, digitales, dont on entend parler aujourd'hui, que ce soit tout ce qui est intelligence artificielle, cybersécurité, la robotique, la e-santé. Le rôle du fédérateur, mon rôle, est d'essayer de fédérer les entreprises, qu'elles soient de taille petite, les startups, qui sont au final assez fragmentées, puisque c'est un écosystème très complexe et très vaste. Le fait d'être soutenu par le ministère, de représenter le ministère, donne une certaine, une forte légitimité à l'étranger pour pouvoir parler à la place de ces startups que je vais essayer de regrouper. Mais en fait, c'est surtout, je pense que en France, on a vraiment besoin aujourd'hui d'éléments catalyseurs pour arriver à cadrer le bouillonnement d'innovation qui est en train de se passer. Au final, ça va être, c'est une mission qui est faite en main dans la main avec plusieurs acteurs, à la fois le ministère des Affaires étrangères, mais aussi la French Tech, représentée par Axel Lemaire. Et donc le but, c'est vraiment d'être à l'écoute de l'écosystème et de le faire travailler, pas seulement avec un ministère ou l'autre, mais faire comprendre à plusieurs ministères l'importance que l'économie et les affaires étrangères marchent ensemble.